On est parti pour apprendre une technique de PNL simple et rapide pour le coaching. Et d'ailleurs, je dirais même plus que ça, fondamentale. On va parler d'état présent, d'état désiré. On va parler des obstacles rencontrés. On va parler aussi de la distorsion entre la réalité et ce que l'on souhaite avoir. On est parti donc dans cette vidéo. Bienvenue à toi. Je m'appelle Nico Penn. Je forme des coachs et thérapeute au travers de différents outils sous une approche intégrale. L'approche intégrale, c'est justement la réunion de ces différents outils que peut être la programmation neurolinguistique, l'énéagramme, la spirale dynamique, la pyramide de Maslow et bien d'autres encore. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Donc, on est sur de la PNL et on va vraiment revenir sur le contexte de base, sur la grande difficulté, la grande problématique que tu vas avoir avec des personnes que tu vas avoir en coaching. Alors, la grande problématique, c'est une personne qui va venir à toi et qui va te dire, ben voilà, aujourd'hui, ma vie n'est pas bien parce que ceci, ceci et cela. Ou une personne qui va te dire, par exemple, si c'est du coaching d'entreprise ou du coaching business, eh bien, écoute, je viens te voir parce que mon activité aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui ne me convient pas et j'ai telle ou telle problématique à résoudre. D'autres vont t'amener une autre façon de définir leurs besoins en termes de coaching. Ils vont te dire, ben, par exemple, si on reprend du coaching plus orienté business, je viens te voir car j'aimerais que tu m'aides à doubler mon chiffre d'affaires. Je viens te voir car j'aimerais avoir perdre 10 kilos. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est à chaque fois sur le type de coaching qui est présent. Ce qui est intéressant avec les méthodes qu'on voit ensemble, c'est qu'elles sont adaptables sur tout type de coaching. Alors là, on a parlé plutôt de personnes, d'individus, mais on pourrait également appliquer ce modèle-là sur des entreprises, par exemple, sur des groupes. Par exemple, un groupe de personnes qui vont venir te voir pour justement arriver à créer une cohésion d'équipe. Le problème aujourd'hui, c'est que l'équipe ne s'entend pas et qu'il y a des conflits à l'intérieur de celle-ci. Donc, on a une distorsion, une désharmonie que l'on va arriver à rechercher à équilibrer. Dans tous les cas, la PNL nous apporte un concept fondamental que tu connais peut-être et même si tu le connais, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a forcément des choses que je vais te donner auxquelles tu n'as probablement pas pensé ou du moins qui n'ont pas été présentés sous cette forme-là. En PNL, on a un modèle qui s'appelle état présent, état désir. Et c'est un modèle fondamental à tel point que on le voit sur le premier jour de formation en PNL. Et il dit ceci, ce modèle. Il dit que on a une personne qui, personne, entité, quelle qu'elle soit, on va dire une entité, qui va arriver face à toi avec une situation actuelle qui n'est pas agréable, qui n'est pas convenable. Pour la personne, qu'on soit clair, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que une situation donnée pour une personne qui peut sembler problématique pour elle ou désagréable, on va dire, non satisfaisante, peut être extrêmement satisfaisante pour une autre personne. Donc c'est toujours à contextualiser selon la personne et selon sa sensibilité. De même, encore une fois, toujours faire cette distanciation entre toi en tant que coach, thérapeute ou quelle que soit ta pratique professionnelle et la personne que tu as en face de toi ou même un ami que tu souhaites aider et te dire, c'est pas parce que moi je trouve que cette situation-là est satisfaisante que la personne qui est en face de moi va la trouver satisfaisante. On n'a pas les mêmes critères, on n'a pas le même carte du monde, si on prend la peine. Ça, c'est un autre sujet que l'on verra sur une autre vidéo. Alors, le modèle de la PNL que l'on va voir, ce modèle simple, il est le suivant. C'est de définir l'état présent de la personne, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui dit, eh bien, je veux augmenter mon chiffre d'affaires par 2 pour son activité professionnelle. Ok, c'est bien joli, mais si je ne sais pas quel est ton chiffre d'affaires aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir t'aider. Donc, il y a une vision future sans forcément une situation présente. Et de même, qu'on a le chiffre d'affaires à un instant T donné, ce n'est qu'une partie de tout le sujet. Donc l'état présent en tant que tel, c'est définir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à un instant T donné, c'est-à-dire quels sont les lieux d'insatisfaction que tu souhaites améliorer, quelles sont les ressources que tu as aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu rencontres, quelles sont les choses
qu'il te semble satisfaisante aujourd'hui et que tu ne veux pas changer, ça aussi c'est un point clé que beaucoup de coachs oublient, c'est qu'il y a des satisfactions à l'état actuel de la personne qui sont présentes et que cette personne souhaite préserver dans le futur. Et si tu lui enlèves ça pour l'amener sur quelque chose d'autre qui semble aller plus vers son idéal, mais que tu lui enlèves quelque chose qui lui était cher et bien souvent sans qu'elle en ait conscience, eh bien cette personne peut arriver sur un état futur. Donc on va parler de l'état futur, et finalement, sur ce futur-là, se retrouver peut-être beaucoup plus insatisfait ou insatisfaite que à l'état initial. Et ça, c'est terrible parce que finalement, la personne va se dire, ben, j'ai été accompagnée, mais cette personne qui m'a accompagnée, au final, elle m'a amené plus de problèmes, plus d'insatisfaction dans ma vie que ce que j'avais avant. J'aurais mieux fait de ne pas avoir cette personne-là. Donc voilà, ça, c'est un des points clés à garder en tête. Donc, premier point fondamental, définir clairement quel est l'état présent. Et lorsque l'état présent se définit, il va forcément apparaître des sujets d'insatisfaction pour la personne. Et de là, si une personne ne veut plus quelque chose, peut-être qu'elle veut quelque chose à la place, ou pas. Mais bien souvent, une personne sait pertinemment ce qui ne lui plaît pas dans sa vie, mais a beaucoup de mal à définir ce qui lui plairait vraiment. Et c'est là où on va apporter ce modèle qui est super simple, on va voir, on va rajouter de la subtilité après, qui est état présent, état désiré. Et ça, c'est vraiment un point de base que tu peux mettre en application sur un coaching donné, même sur une thérapie, hein. Ça peut marcher très bien, hein. On va prendre par exemple une thérapie, une personne qui vient te voir pour un sujet émotionnel, par exemple, pour traiter un état émotionnel, admettons par exemple avec des fleurs de Bac, eh bien, cette personne vient te voir, te dit, voilà, ben, j'ai un problème, j'ai du mal à gérer ma colère. Ok, c'est l'état présent. Donc là, c'est à peu près clair. Mais on va aller creuser plus loin, encore une fois, on pose des questions. Ta colère, elle se présente à quel moment? De quelle façon? Pourquoi c'est désagréable pour toi, cette colère-là? C'est bien, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi. Ça semble évident que la colère, elle n'est pas agréable à vivre. Mais si on pose vraiment la question à la personne du pourquoi, eh bien, on a des informations encore plus pertinentes. Donc, on va poser toute une série de questions. Et après, toujours dans le cas de la thérapie, dans le cas de coaching aussi, on va définir, bon, ben, ok, tu m'as dit ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux? Mais j'aimerais être plus zen. Par exemple, une personne va dire, par rapport à la colère, j'aimerais être mieux me contrôler. Et en fait, mieux se contrôler et être plus zen, ce ne sont pas les mêmes choses. Même si ça peut sembler identique, puisque finalement, on semble vouloir répondre à une situation donnée. Et donc, il est évident de poser la question à la personne, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as expliqué ce que tu ne veux pas, donc on a défini l'état présent. Maintenant, définis-moi ce que tu veux véritablement. Et c'est ça l'état désiré. On reprend le cas de notre chef d'entreprise, de notre entrepreneur, qui souhaite doubler son chiffre d'affaires. Ok, ça c'est l'état désiré. Mais on pourrait très bien amener cette personne-là en lui disant, ben, écoute, travaille 2 fois plus. Fais 2 fois plus de consultations. Fais 2 fois plus de consultations. Admettons que ce soit quelqu'un qui fasse du consulting. Sauf que la personne va te dire, ok, mais j'ai pas envie de travailler 2 fois plus. Déjà, mes semaines sont bien remplies. Je ne peux pas les remplir plus. J'ai une vie de famille. Je ne peux pas gérer ça. Et là, on se rend compte que l'état désiré, ce n'est pas seulement définir un objectif. Ce n'est pas seulement définir un but. C'est définir vers quoi je souhaite aller, quel serait mon futur, mais non pas seulement sur le remplacement de ce qui ne me plaît pas, mais aussi en ayant conscience de tout l'environnement, de tout ce que je souhaite créer sur cet état désiré. Je veux doubler mon chiffre d'affaires sans travailler plus. Peut même aller plus loin, soyons audacieux. Je veux doubler mon chiffre d'affaires en travaillant peut-être 20% de moins. Ok, après, ça sera le job du coach de voir si cet état désiré est réaliste ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais toujours est-il, il est nécessaire de poser les questions à la personne, savoir vers quoi elle veut aller. Et vers quoi elle veut aller de façon holistique. Non seulement sur l'objectif donné, mais sur tout le reste. Ok, tu m'as dit que tu veux perdre 10 kilos. Donc, l'état présent, c'est, admettons, tu pèses 85 kilos. Et t'as désiré, tu veux peser 75 kilos. Ok. Quand? Dans 6 mois, ça serait pas mal. Ok. Tu veux peser 75 kilos dans 6 mois. D'ailleurs, tu auras noté. J'ai pas dit tu veux perdre 10 kilos. J'ai défini précisément quel est l'état désiré. C'est-à-dire, de façon chiffrée,
quel type de poids la personne va atteindre et pas ce qu'elle a à lever, les 10 kilos à lever. Ça, c'est le process qui va amener à l'état désiré, l'élimination de ces 10 kilos-là. Ok? Tu veux perdre 10 kilos, tu veux faire plus de sport? Est-ce que dans ton état désiré, est-ce que ça te va si on met en place un système sur lequel, dans ton état désiré, tu as 10 kilos de moins et tu fais du sport 4 fois par semaine? La personne dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Ok, si tu manges moins, de telle façon. Donc en fait, on va se rendre compte que l'état désiré va également permettre d'identifier un contexte qui est un contexte bien précis, qui ne définit pas juste l'objectif, mais aussi tout ce qui est autour de celui-ci. Bon, j'ai assez parlé là-dessus, on va maintenant aller un petit peu plus loin. Avant cela, on refait un rappel rapide. Donc, on a la personne qui vient à nous, elle nous dit son état de satisfaction ou son but à atteindre, mais en tout cas, une chose est claire, son état présent n'est pas clairement défini, ou du moins n'est pas explicite, ne serait-ce que pour toi, et son état désiré n'est pas défini et n'est pas explicite, et là, je suis prêt à parier que dans 99% des cas, ça sera aussi bien le cas pour toi que pour elle. Point intéressant ici. En PNL, on en reparlera de ça aussi, des métaprogrammes. On a chacun et chacune d'entre nous une tendance. Et certains vont avoir une tendance à plutôt être aller vers. Je vais aller vers ce qui me plaît. Et d'autres vont être plutôt à s'éloigner d'eux. Je vais m'éloigner de ce qui ne me plaît pas. Donc ce qui va être intéressant, c'est que quel que soit le métaprogramme de la personne, et d'ailleurs c'est souvent une tendance parce qu'on a les deux, certains vont marcher plus que d'autres selon le contexte et de façon globale. C'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera plus tard. Sur les métaprogrammes, s'il y a une personne qui est plutôt aller vers, d'ailleurs, c'est les personnes qui vont te dire, ben, je veux doubler mon chiffre d'affaires, je veux atteindre tel ou tel objectif, eh bien, l'état désiré va être beaucoup plus motivant. Donc, c'est là que ça va être intéressant de bien définir l'état désiré. Et une personne qui est plutôt à s'éloigner d'eux, je souhaite m'éloigner du problème, m'éloigner des difficultés, eh bien, ces personnes-là vont plutôt fuir l'état présent. C'est intéressant, on peut faire même un petit lien, avec l'énéagramme. De façon générale, tu as certains profils, pas tous, mais certains profils qui vont plutôt être à s'éloigner d'eux. Par exemple, le type 4 énéagramme avec le manque, le type 6 énéagramme énormément, le type 1 énéagramme aussi, on va retrouver ça aussi, même si le aller vers est quand même assez présent. Et tu vas avoir des profils qui vont être beaucoup dans le aller vers, comme par exemple le type 3 énéagramme. Le type 7, ça va être intéressant parce qu'on va avoir sur le côté kiff, plaisir, un aller vers qui va être très fort. Et en même temps, dès qu'on va soumettre un sujet lié à la souffrance et la douleur, on va voir que s'éloigner d'eux va très très bien fonctionner. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec l'énéagramme. J'ai parlé d'énéagramme, si tu souhaites aller plus loin avec moi, si tu n'as pas vu la masterclass que j'ai donnée sur ce sujet-là, des 9 grandes familles de personnalités, je t'invite à regarder le premier lien en description. Tu retrouveras également d'autres choses, dont une masterclass sur la spirale dynamique, outil aussi très passionnant, ainsi qu'une formation coaching et thérapie par l'énéagramme. Ceci étant dit, on continue. Alors, ok, on a défini ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut enlever, on a défini ce qui est plutôt, ce qui est qu'on ne veut plus, et on a défini ce qu'on veut. Maintenant, on va se retrouver à un moment donné, avec un chemin qui n'est pas un chemin, malgré le fait qu'on va avoir cette flèche-là, qui n'est pas linéaire. On va rencontrer des obstacles. Et justement, si une personne te sollicite en termes de coaching ou de thérapie, c'est que, eh bien, elle sait que face à elle, elle a un mur et elle ne se sent pas en capacité de franchir ce mur. Peut-être qu'elle en est capable, mais en tout cas, elle a besoin d'aide pour franchir ce mur. Et ce mur, ce sont les obstacles. Bon, c'est la définition d'un état désirant, on l'a vu, mais ce sont les obstacles. Donc, il est clair aussi dans ce modèle, très simple, encore une fois, c'est étape 1, quel est l'état présent, étape 2, quel est l'état désiré, et étape 3, c'est quoi les obstacles? C'est quoi les trucs qui me font galérer? C'est quoi les choses désagréables? On l'a dit en définissant l'état désiré. À un moment donné, peut-être qu'une personne veut perdre 10 kilos, mais son obstacle, c'est que sa situation de vie l'amène à ne pas pouvoir faire autant d'activités sportives qu'elle le voudrait. Peut-être qu'elle est de très bonne volonté, mais elle ne peut pas. Donc, il est clair de définir quels sont les obstacles que va rencontrer la personne ou une entité. Par exemple, un groupe. On a pris donc le cas professionnel. Un groupe, une équipe dans une boîte qui ne s'entend pas. L'état présent, c'est qu'est-ce qui se passe? Quelle est la dynamique de groupe? Quels sont les acteurs de ce groupe-là?
quels sont les conflits à l'intérieur de ce groupe. État désiré, eh bien, qu'est-ce que je souhaite faire avec ce groupe? Est-ce que je souhaite le préserver tel quel, d'ailleurs? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que je souhaite que ce groupe se sépare avec des membres qui aillent sur une d'autres entités? Est-ce que je souhaite créer une cohésion sur ce groupe? Qu'est-ce que j'entends par cohésion? Et ainsi de suite. Et les obstacles, bien évidemment, eh bien, ça va être les conflits à l'intérieur du groupe. Ça va être aussi les obstacles par rapport à les conditions professionnelles. Peut-être certains ne sont pas prêts à changer de service. Peut-être qu'ils ne peuvent pas changer de service. Peut-être qu'un contexte fait que on est obligé de rester soudé jusqu'à une certaine date donnée. Donc là, on va identifier tous les obstacles. Et une fois qu'on les a identifiés, on va aller chercher les ressources. Quelles sont les ressources présentes pour répondre à ces obstacles? Ici, il y a deux types de ressources. Il y a les ressources internes et les ressources externes. Si on prend le groupe, l'entité, par exemple, quelles sont les ressources au sein du groupe, au sein de l'entité, pour affronter ces obstacles? Ensuite, quelles sont les ressources externes, les ressources qui sont en dehors du groupe, que peut aller chercher le groupe pour affronter les obstacles, sachant que toi, tu fais partie de ces ressources externes. Donc, en gros, interne, c'est à l'intérieur du système, à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de l'entité, externe, à l'extérieur de celui-ci. Donc, ça, on va l'identifier. Pareil pour une personne, quelles sont les ressources que tu as en toi, quelles sont les ressources que tu peux aller chercher. Par exemple, une personne dit, je veux perdre du poids, mais je ne peux pas faire suffisamment de sport. Eh bien, une ressource qu'elle peut aller chercher, c'est peut-être une personne parmi ses amis qui peut l'aider à faire du sport. C'est peut-être l'appui de son conjoint ou sa conjointe pour justement pouvoir s'occuper de la famille pendant que cette personne souhaite faire du sport. Et ainsi de suite. Donc là, on a ces ressources-là et on a les ressources qui sont identifiées, qui sont présentes, et les ressources que l'on peut aller chercher. C'est-à-dire des ressources qui ne sont pas présentes, mais que l'on peut développer. Et ça, ces ressources externes, on peut aller chercher en disant, ben voilà, je veux bien faire du sport, mais je ne sais pas quel sport faire. Eh bien, on peut aller chercher des salles de sport, on peut aller s'informer sur Internet. Donc, aller chercher les ressources à l'extérieur, aller chercher des adresses de lieux pour faire du sport. Et les ressources internes que l'on peut développer, mais par exemple, j'ai très peu de motivation, eh bien, on va développer cette ressource interne. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les ressources, c'est pas seulement les ressources que tu as qui sont présentes en toi ou à l'extérieur de toi, mais aussi les ressources que tu peux aller chercher. Donc là déjà, on a un très très beau modèle, très simple, qui peut nous amener à finalement à l'état désir. Ce qui peut arriver, c'est que parfois, eh bien, le chemin il va être beaucoup plus long. Et là, on va bouger la tête de Nico, on va la mettre ici. Et en fait, on va se retrouver face à ce qu'on appelle des états intermédiaires. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, on a un état présent et on a un état désiré qui peut être très loin. Ça, on peut faire le lien avec la stratégie Walt Disney, par exemple, dont je te reparlerai aussi. C'est pour ça qu'abonne-toi à cette chaîne YouTube et clique sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Il laisse un petit like, un commentaire. C'est pénible, on est toujours obligé de le dire, donc je le dis, parce que ça aide beaucoup au référencement de la chaîne, et du coup, eh bien, ça aide à encourage des créateurs comme nous à créer toujours plus de contenu comme ça, de qualité, et ce, gracieusement. Alors, cette parenthèse est en fait, donc on a, par exemple, si on prend la stratégie Walt Disney, on va avoir un rêve, un idéal, et cet idéal, il est sur du long terme, et... Il va être nécessaire, si on a un but, un rêve qui peut être, par exemple, ou un objectif qui peut être défini, un état désiré qui est aujourd'hui, bien, je vis au fin fond de l'Ardèche et j'aimerais, je rêve depuis 20 ans d'aller vivre, d'aller m'expatrier au Canada. Ok, mais en fait, peut-être qu'on a défini sur l'état présent qu'au vu du contexte de la personne, au vu de son activité professionnelle, au vu de tout son contexte de vie, et des formalités qu'il y a à faire, les obstacles, eh bien, l'état désiré de vivre au Canada, il ne pourra pas se faire avant 2 ans. Ben, dès lors, c'est long, 2 ans. C'est dur de garder la motivation. Et là, typiquement, pour le coach, ça va être un sacré boulot d'arriver à maintenir la motivation, l'envie, l'énergie et le fil conducteur pendant tout ce temps. Et c'est là que ça devient intéressant, donc, et typiquement, cette notion de temps, et de complexité aussi parfois de certains états désirés, parce que là on a un état désiré qui est long mais qui est assez
simple en tant que tel, même si c'est un change vie, c'est quand même assez costaud. Bon, on oublie le simple, mais on a d'autres états désirés qui peuvent être assez complexes, dans le sens où il y a beaucoup de choses que l'on souhaite mettre en place sur l'état désiré. Il y a un vrai gap entre état présent et état désiré. Donc, tout ça, c'est des vrais obstacles en tant que tel, en plus de ce qu'on a défini. Et là, il convient de créer des états intermédiaires. Alors, je vais mettre la flèche comme ça, je la trouve plus jolie comme ça, voilà. Petit côté maniaque. Donc, l'état désiré, l'état intermédiaire, on va définir une forme d'état désiré intermédiaire avant l'état désiré final. Et ça, c'est toujours important de définir. L'état présent d'abord, ce que je veux l'état désiré, et une fois que celui-ci est défini, ok, quel est le prochain step? Ça, j'en ai parlé si tu es client d'une de mes formations sur stratégie triple 1, qui est une formation sur laquelle je parlais de un an, un mois et un jour. Et en fait, pourquoi je faisais ce découpage-là? Parce qu'à un an, ça permet d'avoir un but, un idéal, comme à la stratégie Walt Disney. Finalement, triple 1, c'est une version, on va dire, miniature du Walt Disney. À un an, ça, c'est quand même assez loin. Et si je mets quelque chose à un mois, eh bien, ça va aider. Ça va beaucoup plus apporter. Bon, l'un jour, j'en parle pas, ça, c'est plus dans la formation. Parce que ça répond à d'autres problématiques. Donc on va générer un état intermédiaire. Et ça peut être intéressant de voir, mais à quelle échéance? Peut-être à quelques mois. Et il est très possible aussi de créer plusieurs états intermédiaires avant, non pas d'arriver à la tête de Nicolas, mais d'arriver à l'état désiré. Donc on a des états, on peut faire une succession d'états intermédiaires qui vont amener à ça. À savoir aussi, à garder en tête une chose clé, c'est que au fur et à mesure de l'évolution du projet, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas vus. Il y a des choses qui vont se modifier. Donc, il est fort possible que j'ai défini au moment de l'état présent deux états intermédiaires, d'ici l'état désiré, mais peut-être que l'état intermédiaire numéro 2, en fait, j'ai totalement tapé à côté. Mais je ne pouvais pas savoir, parce que je n'avais pas suffisamment d'infos, je n'avais pas suffisamment d'expérience. Donc, peut-être que l'état intermédiaire numéro 2, il va se trouver non pas là, mais plutôt ici. Donc c'est important, c'est super important aussi bien pour le coach que pour la personne qui est coachée, de garder en tête cette flexibilité-là jusqu'à l'état désiré. Et donc on va conclure sur un point fondamental, qui est aussi celui-ci, et qui est en lien exactement avec ce que je suis en train de te dire là, c'est que, en fait, l'état désiré, c'est un idéal. C'est un idéal, c'est un désir qui est né de l'état présent. Mais ce qui va se passer, c'est lorsque par exemple la personne va arriver et va vivre au Canada, pour prendre cet exemple-là. Elle va arriver au futur véritable, c'est-à-dire on va projeter la personne, peut-être non pas dans 2 ans, mais dans 3 ans. Ok. Ou peut-être non pas dans 2 ans, mais dans 1 an et demi, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a précipité positivement les choses et elle est partie plus tôt que prévu. Ce que je veux dire derrière ça, c'est que le futur véritable va être très différent de l'état désiré, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans l'histoire. Et tu noteras que là, j'ai mis vraiment deux chemins. Alors, mis par rapport à l'état intermédiaire, on aurait pu mettre juste état présent ici et état désiré et futur véritable. Et ici, c'est important de garder ça en tête. C'est-à-dire que il y aura toujours un delta entre l'idéal, le désir et la réalité. Et cette flexibilité-là va amener à ça. Et le but du coach, justement, c'est d'accompagner une personne de l'état présent jusqu'à son futur véritable, mais aussi de s'assurer que cette personne-là soit en harmonie vers le futur véritable. En d'autres termes, le but de coaching n'est pas d'à tout prix arriver à l'état désiré, parce que tu peux très bien arriver à tout prix à l'état désiré, mais finalement, ça va être à l'encontre de la personne. Parce que dans le process, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait défini au départ, c'est pas quelque chose qui va lui plaire. Donc, il y a aussi ce point clé. On le retrouve d'ailleurs très souvent sur des coachings de personnes qui souhaitent devenir indépendantes, qui souhaitent créer leur activité professionnelle, sortir du salariat. Très souvent, il y a une idéalisation du côté entrepreneurial, il y a aussi une non-connaissance du sujet, de la thématique, mais aussi une non-connaissance de ce qui nous plaît vraiment. Par exemple, une personne dire, mais je veux sortir du salariat, je veux créer une e-boutique sur les savons parce que je suis passionné par le savon.
Et en fait, finalement, il va se rendre compte que, eh bien, faire une e-boutique sur Internet, c'est pas du tout ce qui lui plaît. Et ce dont elle s'est pas rendu compte, peut-être cette personne, c'est qu'elle adore aider, elle adore conseiller des gens. Et peut-être que finalement, en fait, sa voix, bah, ça va être la voie peut-être du coaching, peut-être d'une forme de thérapie, justement, qui va utiliser des huiles essentielles. Alors, c'est pas le savon, mais c'est très lié, et c'est très lié à ce qu'elle aime. Et si on avait forcé cette personne à rester sur cette notion de e-commerce pour vendre du savon, eh bien, on l'aurait amené à un état désiré qui la rendrait malheureuse. Donc, c'est ça le point clé. C'est vraiment ça le point clé. Le but, c'est de voir à chaque étape comment se trouve la personne. À quel point elle est en harmonie ou en dissonance. Et ce qui est intéressant aussi, là où tu peux être vigilant, c'est de voir lorsque, au fur et à mesure que la personne s'éloigne de l'état présent, forcément elle va sortir de son zone de confort. Elle va pas être bien. Donc, ça, c'est un fait qu'elle va être en stress, en zone de stress. Mais s'assurer bien que cette zone de stress est vraiment liée à un état de sortie de zone de confort et non pas à un chemin qui l'amène dans un état qui soit plus néfaste pour elle que son état présent. Donc c'est intéressant de voir justement émotionnellement comment se sent la personne, comment elle vit les choses, comment elle avance. On va rebasculer sur le cadre de la thérapie avec les fleurs de Bac, typiquement, donc que j'ai évoqué en amont. Eh bien, des conseillères, conseillers en fleurs de Bac le savent bien. Il faut un premier, donc par exemple une personne va venir pour gérer la colère, on va faire un premier dosage pour gérer la colère. 3 semaines après, la personne va revenir et on va voir si ce dosage a fonctionné ou pas. Mais c'est la personne qui va faire ce feedback-là. Et on va pas continuer à lui dire, mais non, mais tu m'as dit que c'était la colère, donc je t'ai fait ça, c'est sûr que ça va marcher pour la colère, continue, continue, continue jusqu'à que ça marche. Non! Au bout de 3 semaines, la personne, le thérapeute ou la thérapeute va venir à dire, ok, j'ai fait ça la première séance, là on a un premier résultat, un premier feedback, on en reparlera ça du feedback sur notre vidéo, on a un premier feedback, eh bien ok, j'ai ce feedback-là, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que c'est ok ou que c'est pas ok? Ok, qu'est-ce que je peux modifier? Donc c'est là aussi où la flexibilité est nécessaire, tout particulièrement sur le coach. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, ce modèle simple. Si tu veux aller plus loin, encore une fois avec moi, comme je te l'ai dit, tu as des masterclass en description sur lesquelles on va beaucoup plus en profondeur, tout particulièrement sur l'énagramme Spirale Dynamique, deux outils vraiment géniaux. Il y a également une formation qui est coaching et thérapie par l'énagramme qui peut t'aider si tu connais déjà l'énagramme et si tu souhaites l'utiliser pour du coaching ou de la thérapie. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une autre vidéo tout aussi intéressante. À plus. Ciao!